Donc Fanny Guémère, chargée de projet d'action précarité au siège de la Fédération des acteurs de la solidarité. J'interviens donc sur ce projet de webinaire avec Marie, donc en partenariat, et en parallèle, je porte avec Marie également le projet Maëlle, qui est un projet qui concerne les accueils de jour et pour l'accompagnement des femmes en situation d'addiction et de précarité. Voilà, et je passe la parole à Antoine. Oui, bonjour. Alors, ça a coupé juste avant que vous me donniez la parole. Vous Ah, m'entendez? pardon. Oui. Impeccable, super. Donc, du coup, moi, je m'appelle Antoine Roux, je suis éducateur spécialisé de formation et intervenant en addicto, donc au Relais Alto, à Montbéliard, depuis 8 ans. Et je suis en majeure partie intervenant sur les CARUD mobiles. Voilà. Et Il du y coup, moi, avait je suis Marie Floriane Montorio. Estavoyer, je suis travailleur social au centre d'hébergement de Montbéliard. Super. Du coup, c'est Antoine et Floriane qui vont nous présenter leur expérience de coopération aujourd'hui. Il y a aussi alors Lilian Babé, si vous voulez vous présenter aussi. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Voilà, je suis désolé, hein, on souffre d'un ensoleillement sans pareil aujourd'hui dans le Jura et du coup, je plisse un peu les yeux. Ça n'arrive jamais en fait, à part le 15 août, mais bon, tant pis. Je suis donc Lilian Babé, directeur d'Opelia Passerelle 39, qui gère un XAPA, une consultation jeune consommateur et un CARUD dans le Jura, à Lons-le-Saunier et Saint-Claude notamment. Administrateur de la Fédération Addiction et du collectif Modus Vivendi. Qui est le collectif national des intervenants de la réduction des risques alcool. Et je passe la parole à Maude. Bonjour, donc Maude Caverzasio, je suis directrice de l'association Alto qui gère un XAPA, un CARUD, une unité mobile CARUD, une CJC sur le Nord-Franche-Comté, Montbéliard, Belfort et Héricourt. Et je suis déléguée régionale de la Bourgogne-Franche-Comté de la Fédération Addiction avec Lilian. Et je passe la parole à Héloïse peut-être. Alors, je ne sais pas si Héloïse est arrivée. Non, Héloïse, elle est absente aujourd'hui. Ok, pas de souci. Voilà. OK. Laetitia, du coup, si vous voulez aussi dire un mot. Laetitia Borgia, je suis chef de projet hébergement, logement, migration à la Fédération des acteurs de la solidarité de Bourgogne-Franche-Comté. Et du coup, j'excuse ma collègue Héloïse Meulet, qui est chargée de mission santé et qui travaille notamment sur l'évaluation du PRAPS dans le cadre de la commission santé. Super, merci. Voilà, donc pour que vous sachiez un peu qui sont les intervenants ou les éventuelles personnes ayant contribué à l'organisation de ce webinaire. Du coup, on vous propose déjà dans un premier temps de revenir sur les enjeux concernant la réduction des risques en hébergement. Donc, c'est Lilian Babé qui va vous présenter cette partie-là. Et après, on reviendra un peu plus sur les. Sur un panorama très rapide des deux secteurs pour que ce soit bien voilà, facile aussi de s'identifier, de savoir un peu qui fait quoi, etc. Avant que Antoine et Floriane puissent nous présenter du coup leur action. Et ensuite, suite à cela, il y aura un temps d'échange de questions-réponses hein, qui est prévu. N'hésitez pas, bien sûr, même si vous avez des questions déjà sur les premières choses qu'on va dire, n'hésitez pas à les poser. Donc, évidemment, il y a le chat sur le côté, mais après, si vous voulez, le plus facile, c'est aussi de lever la main. Il y a une petite option en bas pour que vous puissiez lever la main, et comme ça, nous, on le voit, c'est plus facile pour qu'on puisse vous donner la parole. Du coup, je vais laisser la parole à Lilian pour la suite. Merci Marine. Oui, du coup, pour répondre à cette question des enjeux, moi, il me paraissait quand même important de recontextualiser tout ça, et notamment dans un cadre un petit peu historique de ce qu'a été et de ce qu'est aujourd'hui la réduction des risques. Pour rappel, hein, ou même pour information, donc, il faut se rappeler quand même que la réduction des risques est née de l'épidémie de sida dans les années 80. Et elle était d'abord centrée sur les pratiques d'injection chez les personnes héroïnomanes. Elle s'est construite progressivement sur la base d'expérimentations nombreuses, mettant autour de la table à cette époque les pouvoirs publics,
les professionnels, qu'ils soient issus du secteur social, médico-social ou sanitaire, ou encore les professionnels de ville comme les pharmacies ou les médecins, mais également les usagers, dont l'expertise et la capacité d'empowerment, entendre par capacité d'empowerment, la capacité à changer pour peu qu'on leur en laisse et qu'on leur en donne les moyens, sont devenus un petit peu la pierre angulaire essentielle dans le développement de cette nouvelle posture d'accompagnement. Toutefois, penser que l'usager, si l'usager ne peut ou ne veut renoncer à ses consommations, on doit lui donner les moyens de réduire les risques liés à ses consommations, tant pour lui que pour la société, s'est avéré à cette époque, et peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, mais ça c'est un autre débat, un exercice parfois compliqué dans un contexte politique largement axé sur la répression massive et cantonnant l'usager dans un statut de délinquant ou de malade. Ainsi, il nous faudra attendre près de 25 ans avant que la réduction des risques ne soit enfin reconnue comme politique de santé publique et inscrite comme telle dans le Code d'action sociale, de l'action sociale pardon, et des familles en 2004. Pour autant, cette reconnaissance officielle, plus qu'un aboutissement, fut-elle au final le début d'un nouveau combat ? En effet, après un démarrage en 2006, marqué par la création en France des CARUD, Centres d'aide et d'accompagnement à la réduction, d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue, pardon, structure médico-sociale de première ligne, dont l'une des missions principales s'articule autour de la notion d'accueil inconditionnel, il faudra attendre 2008 et la création d'EXAPA, Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, pour qu'elle soit inscrite comme mission obligatoire de ces nouveaux établissements médico-sociaux, redéfinissant ainsi le paysage de l'addictologie en rapprochant les secteurs historiques de l'alcoolologie et de la toxicomanie. Il faut noter au passage que cette inscription se fit cependant sans réelle définition d'un socle commun d'intervention, marquant ainsi parfois un décalage d'offres de services en matière de réduction des risques sur les territoires. Les structures étant alors tiraillées entre la nécessité de s'approprier une histoire qui n'était pas la leur pour les unes, notamment les structures historiques de l'alcoologie, et le besoin de revendiquer une expertise acquise au prisme d'une lutte de 25 ans pour les autres, et notamment les structures issues du secteur de la toxicomanie, et l'envie commune pour autant de répondre à ces nouvelles missions. Enfin, en 2016, la rénovation de la loi de santé permit de rappeler à chacun que la politique de réduction des risques s'étendait bien à l'ensemble du champ des addictions, avec ou sans substance, licite ou illicite. Agir en réduction des risques, et c'est là où on va commencer à pouvoir appréhender les enjeux, c'est bien agir en promotion de la santé. C'est bien appréhender tous les usages, qu'ils soient expérimentaux, récréatifs, ponctuels, abusifs ou inscrits dans une dépendance. C'est bien reconnaître l'usager dans son expertise de vie, mais également de consommation et dans l'expression de ses besoins. Je rappellerai pour ça cette phrase un petit peu historique, qui est de l'accompagner là où il est et là où il en est, sans injonction de réduction des comportements ou d'arrêt des consommations. Et c'est bien là le premier enjeu de cette politique de réduction des risques. Cette stratégie de santé publique, pragmatique et humaniste, centrée sur la qualité de vie des personnes en proie à des troubles variés de l'addiction, nous impose d'adopter une posture professionnelle empreinte d'humilité. D'abord dans la recherche des objectifs ambitieux que nous pouvons être tentés de mettre en place à la place de l'autre, dans le but d'améliorer sa qualité de vie, alors qu'il nous faut parfois accepter que la stabiliser, ou ne serait-ce que ralentir sa dégradation, est déjà un objectif en soi et souvent une première avancée, voire la seule possible à cet instant, mais également dans la recherche d'une temporalité respectueuse du rythme des usagers. Humilité que nous retrouvons par ailleurs dans notre capacité à adapter le cadre de nos missions respectives à la singularité des pratiques et des usages pour ne pas devenir nous-mêmes un facteur de risque aggravant. Humble enfin, à comprendre que c'est dans la coopération avec les usagers et les structures partenaires qui jalonnent leur parcours que nous puisons les conditions de cette réussite. C'est finalement bien dans cette dernière posture que la crise sanitaire est venue nous chercher ces derniers mois. S'adapter au confinement des consommations, à leur mutation parfois dans un bouleversement de l'offre et de la demande, aider à la survie dans un contexte inédit que nous subissions nous-mêmes à titre personnel, nous avons pu chacun de notre place faire preuve de créativité, d'échange, de communication et de réactivité qui ont favorisé tant l'émergence de nouveaux partenariats que la consolidation d'autres plus anciens et la création de nouveaux outils dont d'ailleurs certains vous seront présentés aujourd'hui durant cette présentation. Il nous reste aujourd'hui à transformer cet élan collaboratif en coopération durable, fort de cette expérience permise dans une reconnaissance respective de l'adaptabilité de la stratégie de réduction des risques et de son efficience, comme l'histoire l'a déjà démontré, à travers le développement de l'allée verte, de l'intervention en milieu festif, de la mise en œuvre des salles de consommation à moindre risque ou de la RDR à distance, et le démontre encore aujourd'hui à travers le déploiement balbutiant de la réduction des risques alcool ou de la RDR en milieu carcéral, et demain avec celui de nouveaux dispositifs
Halte Soins Addiction. Voilà, merci beaucoup. Merci Lilian pour cette introduction et d'avoir aussi introduit l'idée sous-jacente de ce webinaire qui est vraiment la dynamique de coopération. Voilà, qu'on essaye, que vous essayez et qu'on essaye d'accompagner du mieux qu'on peut. Et du coup, on s'est dit que ce qui était intéressant aussi de voir pendant ce temps, c'était les structurations respectives des deux secteurs, puisqu'on peut voilà, travailler avec les uns et les autres, mais c'est aussi intéressant d'avoir une vision un peu plus globale de la structuration des secteurs et aussi de leurs éventuelles évolutions. Voilà, parce qu'une idée qui est souvent soulevée pendant les différents temps qu'on peut avoir avec les professionnels voilà, de l'addictologie ou de l'accueil, hébergement, insertion, c'est que chacun aussi a ses propres contraintes, chacun a ses propres représentations, ses spécificités. Et donc, pour pouvoir travailler ensemble, une des premières étapes, c'est aussi de bien se connaître, finalement. Donc, l'idée, évidemment, c'est que chacun puisse connaître ses partenaires, voilà, rentrer en contact avec ses potentiels partenaires et prendre en compte les spécificités de l'équipe avec qui on va travailler. Mais donc, voilà, on voulait aussi vous donner un petit aperçu un peu plus général de la structuration des deux secteurs. Donc, c'est Fanny qui travaille à la Fédération des acteurs de la solidarité qui va vous présenter plus le volet accueil, hébergement, insertion. Et moi, je ferai un petit tour aussi du côté de l'addictologie de mon côté. Donc, je vais laisser la main à Fanny déjà dans un premier temps. Donc, je vais repartager mon écran aussi. Hop. Merci Marie. Alors, je vais vous présenter très, très, très succinctement les différentes structures de la HI. Marie, je ne sais pas s'il fonctionne bien le PowerPoint ou si... Je peux l'afficher. Ah oui, voilà, c'est bon. C'est bon. Il a mis du temps à charger. Merci beaucoup. Donc, je vais vous le présenter très, très, très succinctement. Hein. Vous m'excuserez de cette réduction et je parle bien sûr aussi sous le contrôle de Laetitia Borges qui maîtrise sans doute mieux le sujet que moi et qui pourra peut-être compléter sur des spécificités de la région si nécessaire. Donc, le secteur de l'accueil, hébergement, insertion est structuré avec différentes typologies de structures. On a d'abord les équipes qui en charge de l'orientation et de l'accueil, qui sont 115, les équipes mobiles, enfin les maraudes, les accueils de jour, les SIAO, et qui font un travail de veille sociale puisqu'ils sont en première ligne et ils vont orienter et accueillir toute personne en situation de sans-abrisme. On a ensuite les structures d'hébergement d'urgence qui visent à mettre à l'abri les personnes en situation de sans-abrisme avec un accueil inconditionnel et immédiat avec l'optique de pouvoir orienter les personnes vers de l'hébergement par un étayage notamment socio-éducatif. Ensuite, il y a les CHRS qui visent la stabilisation, l'hébergement et l'insertion des personnes, où là est proposé un accueil, enfin un accompagnement socio-éducatif auprès de publics très désocialisés et qui est un accueil temporaire et qui tend à accompagner vers le logement, vers l'emploi, etc. En fonction des possibilités des personnes, de leurs projets. Ensuite, il y a tout un dispositif de logement adapté, que sont les résidences sociales et les pensions de famille. Dans le cadre des résidences sociales, ce sont des logements collectifs temporaires et meublés qui permettent d'accompagner les personnes pendant un temps, parfois assez long, et les pensions de famille qui, eux, visent à accompagner des personnes en plus grande situation de fragilité, notamment avec des troubles psychiques ou des troubles somatiques. La pension de famille permet aussi un accueil ou avec un autre qui permet d'accompagner aussi le quotidien. Ensuite, vous avez, alors je ne sais pas si du coup sur l'écran partagé on voit ou pas, vous avez tout le secteur de l'IAE qui permet d'accompagner des personnes en situation de rupture professionnelle ou éloignées en tout cas du champ professionnel, de remettre un pied dans l'emploi. Ensuite, sur le volet de la santé, toutes les structures médico-sociales type ACT, LHSS qui visent à accompagner des personnes ayant des problématiques somatiques par un étayage socio-éducatif et médical-psychologique.
Et puis, tous les dispositifs du DNA, comme les CADA, notamment, pour ne citer que, qui accompagnent les personnes qui ont fait une demande d'asile. Voilà, grosso modo, les grandes lignes, hein, surtout pour les personnes de l'addicto, pour resituer les grandes catégories de structures. Je ne sais pas si Laetitia, tu souhaitais rajouter des choses que j'aurais omises ou peut-être des spécificités de la région Bourgogne-Franche-Comté. Non, je pense qu'on a fait le tour des différentes structurations. Après, effectivement, on a également tout ce qui est dispositif d'accompagnement envers et dans le logement, mais on ne va pas rentrer non plus dans les détails, mais effectivement... On n'a pas de spécificité dans le secteur pour la région. Donc, voilà. Il y a un procès, je dirais. D'accord, merci. Merci beaucoup, Laetitia. Bah, écoutez, je passe la parole à Marie qui, elle, va vous présenter les dispositifs de soins addicto. Merci, Fanny. Alors, je vais passer, si j'arrive à la suite... du coup, pour vous représenter le secteur de l'addictologie, donc les missions de ce secteur sont assez larges. Ça va être vraiment du tout début de ce qu'on appelle l'intervention précoce. Alors, il y a même la prévention que j'aurais pu mettre avant. L'intervention précoce, c'est-à-dire intervenir le plus tôt possible avant que il y ait vraiment des problématiques addictives qui émergent, jusqu'aux soins, à l'accompagnement, en passant aussi par la réduction des risques liés aux consommations. Toutes ces missions sont assurées dans un cadre qui garantit la confidentialité, l'anonymat et bien sûr la libre adhésion des personnes. Voilà les principes sous-jacents à toute prise en charge dans ce secteur. Ce secteur, il est constitué de... Alors, les professionnels de l'addictologie sont répartis dans trois secteurs. Donc, il y a le secteur médico-social, hospitalier et de ville. Donc, dans le secteur de ville, ce sont surtout les médecins généralistes, les pharmacies, etc., qui ont bien sûr un rôle dans la prise en charge de ces problématiques, qui sont éventuellement regroupés sous des réseaux de santé. À titre d'exemple, on a un pôle spécifique à la médecine générale au sein de la Fédération Addiction. Au sein du secteur hospitalier, alors, il y a surtout les consultations hospitalières, ce qu'on appelle les ELSA, donc les équipes de liaison et de soins en addictologie, qui font le lien entre les différents services hospitaliers. Il y a une fonction un peu transversale de ces services-là. Et enfin, le plus important en termes de quantité, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de professionnels du secteur de l'addictologie qui font partie du secteur médico-social et qui est construit autour d'une partie en ambulatoire, donc en reçu des personnes qui sont reçues à la journée. Et il y a aussi une partie avec hébergement, donc tous ces centres thérapeutiques, appartements thérapeutiques, etc., qui peuvent être attachés, bien sûr, à des structures aussi ambulatoires. Alors, je fais une classification un peu rapide, hein, parce qu'il y a des XAPA, par exemple, qui peuvent être hospitaliers. Mais voilà, c'était pour vous, à grands traits, pour vous brosser à grands traits le secteur de l'addictologie. Et donc, les deux structures qu'on retrouve le plus dans ce secteur, ce sont les XAPA et les CARUD. Les XAPA qui ont une spécificité dans le sens où il y a vraiment un rôle de prise en charge, d'accompagnement, tandis que les CARUD vont plus être tournés déjà dans la réduction des risques. Je laisserai Maud et Lilian compléter sur cet aspect si besoin. Et en parallèle, alors j'ai aussi noté les consultations aux jeunes consommateurs qui sont destinées, comme leur nom l'indique, au public jeune et qui sont rattachées le plus souvent à des XAPA. Dans le secteur médico-social, il y a vraiment un rôle dans l'accompagnement au long cours des personnes, pour le fait de les accompagner tout au long de leur parcours. Et alors j'ai noté que les XAPA sont considérés comme les acteurs ressources, notamment des structures de référence par rapport à l'usager et son entourage, mais aussi par rapport aux autres structures. Il y a vraiment un rôle un peu pivot du XAPA. Et du coup, quelques principes concernant l'accompagnement des personnes. Alors, l'accompagnement proposé peut revêtir différentes formes, soit individuelles, soit collectives. Il peut y avoir des groupes proposés. Ça peut prendre en compte des approches très diverses de thérapie. Il y a beaucoup de choses. Il y a le médicamenteux, évidemment, mais pas que. Il y a aussi psychologique, cognitif, comportemental. Il y a vraiment
une très large diversité d'accompagnements qui peuvent être proposés. Donc, ce qui sous-entend une approche transdisciplinaire. Donc, il y a énormément de disciplines qui sont représentées, ne serait-ce que parmi les professionnels qui travaillent dans ces structures-là. Et une forte idée aussi de travailler dans une approche globale, c'est-à-dire qu'on prend en compte pas seulement un produit, mais la personne avec tout ce que ça implique concernant le contexte de sa consommation, les fonctions que ça remplit chez elle, etc. Et donc, il y a une idée aussi de transdisciplinarité, c'est-à-dire au sein de la structure, mais aussi concernant les partenaires avec lesquels on travaille, parce que l'idée, c'est aussi d'aller chercher la personne où elle est, parce que c'est des structures que voilà, les personnes ne vont pas forcément aller d'elles-mêmes, ou du moins, ça peut prendre du temps d'aller dans ces structures, donc il y a aussi une forte idée d'aller vers en travaillant en réseau avec les différents partenaires. Voilà. On va revenir aussi sur les évolutions majeures des secteurs. Alors, je vais commencer avec le secteur de l'addictologie, et après on verra aussi avec le secteur de l'accueil, hébergement, insertion, mais les grands bouleversements dans le secteur de l'addictologie, alors c'est principalement le fait qu'on est sorti de l'approche produit. Alors déjà, c'est un secteur qui s'est structuré relativement récemment, ça fait longtemps qu'on prend en charge, enfin, qu'il y a une idée de qu'on prête intérêt du moins aux pratiques addictives, etc., mais la structuration du secteur en tant que tel est plutôt récente. Et il y a par exemple un des bouleversements majeurs, ça a été le fait qu'à partir des années, fin des années 90, on a commencé à sortir d'une approche très produit pour avoir une approche beaucoup plus globale, voilà, avec la prise en compte des addictions au sens large. Donc ça impliquait une approche voilà, plus globale, plus préventive. Un autre bouleversement majeur qu'a pu vous introduire Lilian aussi, c'est le concept de la réduction des risques, qui émergeait notamment dans les années 70 en lien avec l'épidémie de sida, où l'objectif, c'était plus forcément que les personnes arrêtent de consommer, mais que du coup, on réduise les risques liés à leur consommation. Donc, comme disait encore Lilian, c'est passé principalement par le dispositif de seringue, etc., dans un premier temps, puis ça s'élargit au fur et à mesure. Maintenant, on commence aussi à en parler, on en parle pour l'alcool, on commence à en parler aussi pour le tabac, ce genre de choses. Et donc, cette réduction des risques, ça fait que l'abstinence n'est plus la seule finalité, c'est plus la seule chose qu'on envisage. Et donc, ça implique des postures particulières, c'est-à-dire faire avec les personnes, et ça implique aussi des outils particuliers, donc les seringues pour ne citer qu'elles. Voilà, ça revêt de différentes formes, et ça a été un très grand changement dans l'accompagnement des personnes. Et en parallèle, ouais, une institutionnalisation très progressive du secteur, différentes lois qui ont reconnu les dispositifs au fur et à mesure, et en parallèle une forte régionalisation. Voilà, c'est pour ça aussi que pendant ce projet, on a pris Bourgogne-Franche-Comté Est pour pas avoir beaucoup trop de participants non plus d'un coup, mais voilà, il y a un ancrage par régional qui est très fort, notamment avec les agences régionales de santé, etc. Je laissais Fanny aussi présenter. Dans le champ de l'accueil, hébergement, insertion, on pourra noter parmi toutes les évolutions qui sont nombreuses et qui durent depuis plusieurs décennies avec beaucoup de changements, on pourra noter de grands axes majeurs, la mise en place des SIAO pour une meilleure coordination des places d'hébergement, donc, qui permet à la fois de les recenser, de créer des plateformes recensant les besoins des personnes formulant une demande d'hébergement, de suivre les parcours, mais aussi un travail d'observatoire sur les besoins à l'échelle des départements. Et puis, on notera aussi le développement de logements d'abord. C'est un dispositif qui a fait ses preuves, notamment dans d'autres pays anglo-saxons, et qui est arrivé en France avec l'idée, le principe que le logement est une condition préalable pour l'insertion. Et donc, on change un peu de l'accueil, du principe de l'hébergement d'abord avant le logement. On part du principe que l'accès au logement est un droit et que c'est la première étape, alors que dans l'hébergement, on inverse un peu la tendance. Voilà pour ces deux grands changements majeurs, j'ai envie de dire, sur ces 10-15 dernières années. Merci Fanny. On va faire un dernier temps rapide. C'est au niveau un peu, comme on disait, les spécificités des deux secteurs.
donc rebalayer, alors c'est très rapide, hein, sur les points communs et les différences qui peuvent exister entre les deux secteurs. Donc, au niveau des constats partagés, on a bien sûr le fait de souvent rencontrer un public commun, soit parce que les personnes en situation de précarité peuvent rencontrer beaucoup de problématiques addictives, et vice-versa, souvent aussi en côté, les personnes rencontrant des problématiques addictives sont souvent en situation de précarité. Ce n'est pas systématique, mais c'est quand même une fréquence qui fait que voilà, vous pouvez souvent rencontrer des publics communs. Il y a le fait de rencontrer aussi les mêmes problématiques sociales concernant l'augmentation éventuelle de la pauvreté, ce genre de choses. Et en dernier lieu, bien sûr aussi d'avoir un socle de valeurs communes. On pense les valeurs d'accueil, etc. Ce qui n'empêche pas évidemment le fait aussi d'avoir des points de divergence. Alors il y a notamment la question du financement qui est différent et qui n'est pas forcément sur la même temporalité. Le secteur médico-social auquel appartiennent principalement les XAPA-CARUD est financé par l'assurance maladie. Et il n'y a pas de programmation pluriannuelle, par exemple. Tandis que le secteur de l'accueil hébergement insertion, c'est majoritairement des dotations globales provenant notamment de l'État ou de ses organes décentralisés. Et en parallèle, on a aussi du coup une idée de temporalité qui est schématiquement différente entre les deux secteurs, parce qu'il y a une idée d'accompagnement au long cours, tout au long du parcours de la personne dans le secteur de l'addiction, tandis que dans le secteur de l'AHI, il y a une idée un peu transitoire. Puisque l'idée c'est de donner accès le plus possible au droit commun et dans la mesure du possible à l'autonomie. Voilà, donc l'objectif et les professionnels qui interviennent au sein des deux secteurs ne sont naturellement, vous le savez évidemment, pas les mêmes. Il y a une idée dans la Chine, on a surtout des intervenants sociaux et l'objectif n'est pas de soigner au sein de l'institution mais d'accompagner vers le soin. Si possible dans le dispositif de droit commun, tandis que dans le secteur de l'addictologie, les soins et la réduction des risques sont bien sûr centrés sur l'addiction, puisque c'est le premier objectif de ce secteur-là. Voilà pour cette brève présentation. Je ne sais pas est-ce que vous avez déjà des questions à ce stade, des remarques, des compléments à apporter. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, y compris dans la discussion sur le côté. Sinon, je vais passer la parole du coup à Antoine Rouvre et Florian Estavoyer pour qu'ils puissent nous présenter leur exemple de coopération qu'ils ont pu mener ces dernières années. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous nous excuserez d'abord, on a des petites coupures toutes les 2 minutes de 4 secondes. Donc voilà, si jamais, n'hésitez pas à nous arrêter. On va essayer de vous parler un petit peu des temps qu'on a mis en place avec le CHRS de Montbéliard et avec l'équipe d'hébergement d'urgence à Montbéliard et avec l'association Alto également. Donc du coup, c'est des temps de travail qu'on a mis en place il y a à peu près 2 ans, fin 2019. Alors en temps effectif, c'est moins que ça parce qu'il y a eu le Covid qui nous a beaucoup freiné un petit peu là-dedans. Mais voilà, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'actions, on va dire, connexes entre l'hébergement et puis le secteur de l'addictologie. On en a ressorti 3 qui nous semblaient importantes, à savoir les prises en charge médicales de nos publics communs, où les CHRS pouvaient parfois être un peu démunis, ou en tout cas manquer de visibilité là-dessus, les traitements de substitution aux opiacés notamment. Le travail autour des sorties de maisons d'arrêt, quand on parle de public commun, et par exemple, le public le plus vulnérable, c'est un public aussi sorti de maison d'arrêt qui, assez souvent, prétendait à des places en CHRS. Et puis donc, là, vous parliez de prise en charge globale, on s'est aussi axé là-dessus, qu'effectivement, l'approche par produit en addicto, on essayait de s'en décaler un petit peu, puis d'avoir un espèce de pragmatisme de terrain, une empathie vraiment complète, de sorte à ne pas nier la réalité de l'usager, quelle qu'elle soit. Voilà. Donc, le public, on va dire, bas seuil et plus vulnérable. Donc, ces 3 points-là, on les a évoqués pour provoquer ces temps de travail. Et le premier objectif de ces temps de travail était de se connaître un petit peu, de se rencontrer et de se connaître. Parce qu'effectivement, que ce soit le CHRS pour l'addicto ou l'addicto pour le CHRS, on s'est rendu compte qu'effectivement, parfois, on manquait d'informations sur les différents dispositifs.
Et donc, du coup, pour rendre pérenne ces temps de travail et ces réflexions, reconnaître un petit peu ces pratiques, connaître les dispositifs, c'était aussi se reconnaître dans certaines pratiques et donc légitimer l'accompagnement qu'on pouvait chacun faire de notre côté, notamment avec des situations communes, un public commun. Donc voilà, ces premiers temps-là, où on a fait beaucoup d'informations et beaucoup de connaissances entre nos structures, nous ont permis d'avoir ensuite des échanges libres et assez ouverts sur les pratiques qu'on avait chacun de notre côté. Hein. Et puis, de parler librement et d'aborder même les points d'achoppement qu'on avait parfois entre nous, mais parce qu'il y avait une certaine opacité qui n'avait pas lieu d'être. Voilà, l'objectif étant d'atteindre un projet, on va dire, commun pour l'usager. Donc, du coup, de ces trois points centraux qu'on a identifiés dès le début, on s'est dit qu'effectivement, la réduction des risques nous paraissait être, on va dire, un point névralgique sur lequel on pourrait bosser tous ensemble. Alors, on s'est rendu compte que parfois, en hébergement, il y avait un règlement intérieur, voilà, qui était indispensable à la bonne tenue d'une vie en collectivité. Donc, en ça, il fallait un petit peu responsabiliser et autonomiser les usagers et qu'il y ait effectivement une espèce de juste milieu entre l'abstinence à tout prix, la consommation de produits ou non. Quoi. Voilà. Donc, on s'est dit que la réduction des risques pouvait être un outil en plus pour le CHRS et que le CHRS pouvait nous apporter son expérience par rapport à l'hébergement des publics vulnérables de façon à ce que nous, on puisse préparer un petit peu les usagers. Alors, bien sûr, au droit qu'ils avaient d'être hébergés, mais aussi au devoir qu'ils avaient par rapport au reste de la collectivité. Voilà. Donc voilà, le côté accompagnement global, encore une fois, est important aussi. Hein, c'est qu'on s'est dit que... on s'est dit qu'effectivement, donc là, on est encore dans des temps de réflexion et on commence à toucher un petit peu du doigt ce qu'on pourrait mettre de façon concrètement en commun. À savoir, on commence à faire des temps et au CHRS et chez nous, notamment au CARUD. Ah, voilà le slide, je ne le voyais pas, parfait. Voilà, donc ça, c'était effectivement le début de notre réflexion. L'idée, c'est qu'on puisse travailler mieux ensemble et pouvoir peut-être proposer des temps par la suite au centre d'hébergement pour mieux accompagner les résidents. Alors, permettre des endroits un peu plus sécurs par rapport à comment gérer leur consommation. Leur consommation, oui. Voilà. C'est-à-dire que, donc j'ai mis un exemple un petit peu plus concret dans le slide de la problématique, où voilà, effectivement, quelqu'un qui est accompagné, quelqu'un qui est accompagné au XAPA et qui passe au CARUD, par exemple, pour son matériel, on avait besoin, et lui, il aurait besoin certainement d'être sensibilisé aussi là-dessus, sur le fait qu'il y avait un règlement, et comment est-ce qu'effectivement, il pourrait ne pas se mettre en difficulté, malgré effectivement ses consommations. Et parfois, les consommations que les usagers peuvent avoir, c'est notamment des TSO qui sont prescrits, qui sont respectés, mais le rituel de consommation antérieur ne peut pas. Être évité par l'usager pour des raisons qui lui sont propres et ne pas être compatible avec le règlement intérieur. Donc, on s'est dit comment effectivement arriver à une espèce de consensus et travailler avec la personne pour le moins le mettre en difficulté, aller dans ce sens-là avec le CHRS et l'hébergement d'urgence aussi, et puis faire une sorte de travail réflectif en tripartite pour arriver à un projet commun. Donc, voilà, notre prochain temps de travail, il est dans pas très longtemps. Il est après-demain. Hein, il est après-demain, voilà, exactement. Et puis, donc là, on est en train de réfléchir pour savoir comment est-ce qu'on peut au mieux mettre en place des permanences, alors à échéance qu'il faut qu'on réfléchisse, mais où les usagers pourraient effectivement, ou nous, on pourrait être un outil supplémentaire pour les professionnels du CHRS pour essayer d'exprimer un petit peu ces points transversaux dans la prise en charge globale de l'usager. Et commencer par le matériel, en autonomisant et puis en renvoyant la profonde empathie qui est inhérente à la réduction des risques et des dommages avec l'usager. Voilà. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Alors, n'hésitez pas à poser des questions si jamais je n'ai pas été clair, ce qui est fort possible. Alors, est-ce que certaines personnes avaient déjà des questions ?
Moi, j'en aurais une. Sandra Métro, c'est la chairesse de l'Armée du Salut à Belfort. C'est effectivement, nous, on se bute souvent entre le discours de « on n'est pas là pour vous dire d'arrêter de consommer », mais en même temps, on vous dit qu'il ne faut pas le faire chez nous. Les personnes, du coup, dans le cadre des accompagnements que vous menez conjointement, c'est uniquement sur les détournements de produits substitution ou aussi sur… les consommations de stupéfiants, enfin de produits qui sont clairement illicites et du coup illégales. Enfin, quel positionnement vous arrivez à avoir en collaboration avec un centre d'hébergement sur cette question-là ? Alors là on est dans cette réflexion justement, c'est-à-dire que la réduction des risques et des dommages, elle est là pour faire entendre que voilà, c'est un objectif qui est sanitaire. Le côté législatif de la consommation de certains produits psychotropes interdits en France, elle existe. Donc ça aussi, ça participe à ce qu'on veut mettre en forme. Mais encore une fois, c'est-à-dire que si on parle d'accompagnement global, il y a une espèce de vide dans l'accompagnement que peuvent proposer les personnes en hébergement, à savoir la consommation de produits. Je prends un exemple tout bête, mais budgétiser... voilà, au mois, les ressources de la personne. Si la personne a un petit peu de difficulté, ce qui est compréhensible, à verbaliser sa consommation auprès de l'intervenant du CHRS, bon, ça peut rendre l'accompagnement pas caduque, mais un peu faussé, un peu biaisé. Donc voilà, toujours est-il que, pour répondre à votre question, je ne sais pas si je suis très clair, mais l'idée, c'est aussi de sensibiliser à ça. C'est-à-dire qu'il y a le règlement du CHRS, il y a le règlement de la prise en charge globale en addicto, le cadre, en tout cas, le parcours de soins complet de la prise en charge en addicto, et puis ce qui se passe, le cadre législatif en France. Voilà. Donc il ne s'agit pas de cacher, de donner un esprit de non-droit aux consommations, mais en tout cas d'essayer d'être au plus près, on va dire, de la réalité de la personne pour arriver au mieux à ses objectifs perso. Voilà. Alors, vous avez une main levée. Je ne vois pas qui c'est encore. C'est moi. Ah, c'est Maud. Allez-y. Ah, moi, j'ai envie de poser la question, justement. Enfin, on entend bien... Vous m'entendez ? Oui. Oui. On entend bien, effectivement, les temps de réflexion, etc. Mais j'entends dans le questionnement de Madame Métro, c'est comment, finalement, on arrive à accompagner une personne dans son projet de vie où la réduction des risques est intégrante, et comment on arrive à composer avec une structure d'hébergement qui va être dans des contraintes, parce qu'il peut y avoir, notamment dans un CHRS, des accueils collectifs avec l'accueil d'enfants ou de familles monoparentales avec des mineurs qui sont dans un collectif. Est-ce que vous avez déjà pu, j'ai bien entendu que la porte d'entrée, ça avait été d'abord les TSO, les traitements de substitution, etc. Est-ce que vous avez pu déjà empoigner ce sujet-là ? Parce que c'est comment, avec un règlement intérieur qui doit exister, et voilà, est-ce que vous avez envisagé de retravailler les choses ? Est-ce que vous êtes déjà allé dans le concret à ce niveau-là ? C'est pour ça qu'on se voit au CHRS le mercredi. C'est-à-dire que concrètement, c'est bien, on a de grandes positions théoriques, on a une idée de ce qu'on veut faire, mais effectivement, il va falloir qu'on propose avec le principe de réalité, les règlements, et puis effectivement... les critères d'hébergement, quoi. Donc là, on va être là-dedans, et encore, je pense qu'il y a quelqu'un qui a parlé de la temporalité à un moment donné, et je pense que ça sera l'axe de réflexion aussi. On va aller là-dessus. L'histoire de la temporalité, elle est importante. C'est-à-dire qu'une consommation, encore une fois, sans la légitimer, ou je ne sais pas quelle forme on peut lui donner, mais pour une personne qui est dans une démarche de soins, elle peut entendre aussi que la question de la temporalité est importante, notamment par rapport à ce cadre-là, le cadre de l'hébergement. Voilà, donc c'est vers ce genre effectivement de réflexion qu'on va s'orienter. Les permanences, qui sont déjà le projet qu'on a dans un premier temps, vont servir à ça aussi, c'est-à-dire discuter avec des gens, peut-être qu'on n'arrive pas à toucher, ou voilà, mais en tout cas un public commun, et puis leur faire entendre ça, et puis voir comment eux, où ils en sont dans leur réalité, ouais. En prenant en compte évidemment les critères d'hébergement et institutionnels. Alors Lilian, vous aviez levé la main aussi. Oui, alors je voudrais revenir sur cette question parce que en fait, on n'est pas si différent que ça. Enfin, si on centre la question sur l'accès au matériel de réduction des risques, par exemple, dans nos structures en addicto,
il arrive que des gens consomment. Est-ce que ça veut dire que c'est autorisé? Est-ce que ça veut dire qu'on le tolère? Certainement pas. Mais la réalité fait qu'à un moment donné, effectivement, on se rend compte que l'accès aux sanitaires ou aux toilettes, surtout, et je pense principalement aux carunes, mais ça peut arriver en que ça pas aussi, eh ben, c'est un lieu qui est plutôt, entre guillemets, je veux dire, confortable par rapport à la réalité de vie de l'usager. Et sans cautionner quelque chose qui est illégal, ça n'empêche pas d'en discuter avec la personne et de le travailler avec. Et c'est comme ça qu'on peut avoir, à un moment donné, des boîtes de récupération dans les toilettes. C'est là, inviter l'usager, non seulement s'il a une pratique à risque, de la sécuriser, et au moins de sécuriser, pour, je le rappelle, hein, pas que pour lui, mais aussi pour les autres professionnels ou les usagers, donc mettre sa seringue dans un conteneur, et après, ça n'empêche pas de reprendre avec lui. Et cette question-là, elle n'est pas si différente finalement que dans les structures d'hébergement. Elle est peut-être même presque plus compliquée dans le sens où lorsqu'ils sont en hébergement, à partir du moment où ils ont poussé la porte de leur appartement, ils sont chez eux, donc c'est privatif, ce qui n'est pas le cas dans nos structures, nos toilettes, elles sont collectives. Mais on est confronté à cette difficulté-là aussi. Et de la même façon, on peut se poser la question pour l'alcool, et alors là, c'est encore différent, puisque du coup, l'alcool est une substance licite. Et y compris dans nos structures, on doit se poser aujourd'hui la question de l'accueil avec alcool et de comment, à un moment donné, si on regarde la loi techniquement, hein, juste sur un point de vue technique, on n'a pas le droit d'interdire les consommations d'alcool. Et le fait de le faire provoque un certain nombre d'effets sur les usages. C'est-à-dire qu'un usager va arriver suralcoolisé pour pouvoir tenir. S'il se retrouve en manque, il va se suralcooliser à la sortie. Et du coup, on va provoquer plus d'effets négatifs et délétères que d'effets, entre guillemets, positifs ou permettant l'accompagnement. Et ces difficultés-là, pour le coup, puisque tout à l'heure, Marie, tu parlais à la fois de points communs et de divergences, et bien ça, c'est un point commun. Les difficultés, on a beau bosser dans la dicto, et bien on y est confronté aussi, et on doit réfléchir à aménager. Alors, quand on y réfléchit ensemble, du coup, on capitalise l'expérience. Et quand on peut, après, effectivement aussi, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure en introduction, y adjoindre l'expertise de l'usager dans ses besoins de consommer, dans ce que ça provoque, à la fois de façon négative et positive, et bien effectivement, on arrive peut-être à construire ensemble quelque chose qui est en tout cas plus acceptable et beaucoup plus pragmatique. Après, effectivement, il ne faut pas se tromper de débat. Il ne s'agit pas de dire si on met en œuvre la réduction des risques, ça veut dire qu'on autorise tout, partout, tout le temps, et que c'est un grand n'importe quoi. Ce n'est pas ça du tout. Hein. Voilà. Merci, Léon. Mais du coup, dans vos deux présentations, dans vos deux interventions, il y a l'idée commune d'avoir un socle commun, quelque part, via s'incarne via le règlement. Enfin, ça fait sans doute partie des projets d'établissement, le règlement, des supports qui permettent de définir un cadre, quelque part. Et du coup, je voulais savoir, par rapport à ce que vous aviez pu faire, Antoine, Floriane, parce que vous en parlez de ce règlement intérieur, est-ce que ça a amené vos débuts de coopération? Est-ce que ça vous amène aussi à voir si vous allez éventuellement ajuster le règlement intérieur, par exemple? Parce qu'il y a le côté présenter le règlement aux personnes pour qu'ils en aient connaissance, mais aussi potentiellement, dans l'autre sens, l'ajuster aussi, pour tenir compte des consommations éventuelles, notamment, comme disait Lilian, celles qui sont licites. Je ne sais pas comment est-ce que vous aviez... comment est-ce que ça s'est traduit éventuellement? Oui, alors, du coup, je suis désolé, je n'ai pas entendu la fin de ton intervention, Marie, parce que ça a coupé, on a une connexion qui est un petit peu catastrophique, mais voilà. Du coup, le côté réajustement, effectivement, du règlement, ça se fera, il y a un côté institutionnel. Nous, on est des humbles travailleurs sociaux de terrain, mais certainement qu'il y aura une concertation autour de ça. Après, là où je rejoins Lilian, c'est qu'effectivement, même quand on travaille en addicto, ces constantes institutionnelles, on les a aussi. Moi qui interviens sur un Carud, on a été confronté à des consommations de produits illicites ou illicites à l'intérieur. Et nous, notre cadre, c'est qu'effectivement, ça n'est pas toléré sur le Carud. Donc, le message qu'on envoie et qui, sur lequel on va s'axer aussi dans ce travail, c'est de dire qu'effectivement, la problématique, ce n'est pas la consommation dans un premier temps, notamment quand il y a du collectif, quand il y a un public isolé, des mères, des enfants, mais c'est le comment on le fait. Voilà. Donc du coup, on va s'axer un petit peu là-dessus, on va associer nos directions effectivement à la concertation, parce que c'est important. Donc voilà.
on voit là actuellement. Ok. Mais disons que créer cet espace de parole sous forme de permanence, en tout cas, ça peut délester le CHRS de cette espèce d'absolutisme et de manichéisme qui fait perdre un peu le lien avec l'usager, c'est-à-dire le on consomme ou on ne consomme pas. Il y a peut-être un entre-deux qui serait de dire, voilà, on ne va pas nier la réalité de la personne, surtout en fonction de sa vulnérabilité, dire qu'il y a le cadre, voilà, comme on fait sur les CARUD, le cadre en France ou le cadre dans la structure d'hébergement. Et effectivement, comment toi, où est-ce que tu t'y retrouves et comment est-ce que tu peux faire différemment, comment adapter, comment ajuster pour reprendre tes mots. Voilà. Mmh. Et du coup, pendant vos permanences avancées, il y a des... je ne sais pas comment vous les avez construits un peu, ces permanences. Alors, on les a pas encore lancées, pardon, excuse-moi. On les a pas encore lancées, mais on part sur l'idée de le faire comme on le faisait il y a quelques années également. On le faisait dans un accueil collectif avec les collègues de l'armée du Salut de Belfort, par exemple, chose qu'il faudrait qu'on fasse aussi sur cette localité-là, mais on y viendra après. Oui, oui. Mais ça fonctionnait bien à l'époque, disons, parce que on était là, on était dans l'accueil collectif, en binôme de deux intervenants, et puis bon, on n'obligeait personne, le principe de libre adhésion est important, il fallait qu'on veille à l'anonymat, parce que c'est pas... Ou en tout cas, la non-stigmatisation, parce que ce n'est pas toujours évident dans un accueil collectif généralisé de venir voir deux intervenants en addicto, parce que forcément, ça étique. Donc voilà, tout ça, ça étiquette. Donc tout ça, c'est en réflexion, effectivement, mais prévoir un espèce d'espace neutre et de réflexion entre l'usager et puis des intervenants en addicto pour déballer, puis voir un petit peu comment eux, ils se comportent par rapport à ce cadre institutionnel et leur conso, voilà, c'est... Pardon, moi, allez-y. Est-ce que vous avez envisagé dans les rencontres avec les personnes accueillies au centre d'hébergement d'évaluer un petit peu leurs besoins, de quoi eux ils auraient besoin pour que ça se passe au mieux par rapport à leur projet de vie, quelle que soit la console d'ailleurs. Hein, on parle beaucoup de matériel, mais la RDR, ce n'est pas que la ronde de train. Voilà. Est-ce que vous avez prévu, alors autant d'un côté que de l'autre, je ne sais pas, d'aller questionner un petit peu les résidents sur de quoi eux, ils auraient besoin pour continuer leur parcours ou pas? Ben, ça se fera naturellement voilà, dans ces permanences-là. Effectivement, quand je parlais de panier la réalité de la personne, c'est ça le truc. C'est-à-dire que nous, on n'est pas ni dans le travail expert, ni dans le référentiel d'action. C'est eux qui vont nous amener un petit peu ce dont ils ont besoin. Et effectivement, c'est comme au CARUD. C'est-à-dire que quand on fait de la distribution de matériel, on évalue la consommation. Et puis, on voit effectivement de ce qu'ils ont besoin. Donc, oui, je pense que ça sera un point central. Ouais. Parce que la réduction des risques, comme tu disais très justement, ce n'est pas que le produit licite ou que le matériel. Il y a aussi les produits licites, effectivement, comme vous avez dit, l'alcool. Et puis, la réduction des risques se joue autour aussi de, ben voilà, dans la sphère sociale, comment ça se passe, la sphère financière, comment ça se passe. Donc, la RDR peut-être permettre ça. Ou en tout cas, comme nous, on l'exerce au CARUD, peut permettre ça. Et si nous, on peut être un outil en plus pour les structures d'hébergement via ça, ben, effectivement, ça peut être bien pour tout le monde, mais surtout pour l'usager, quoi. Il y avait aussi l'idée de peut-être... j'ai l'impression que dans votre présentation aussi, on sent en filigrane le fait que la réduction des risques, ça se joue par rapport, comme vous disiez, à la personne. À elle, qu'est-ce qui réduirait les risques? Alors, il y a sa consommation, mais par rapport à son parcours, je pense que l'idée forte aussi, c'est l'idée d'accueil inconditionnel. Et aussi les réduire les risques par rapport sans doute au collectif finalement, pour que voilà, il y a une vie collective, comment est-ce qu'on gère les consommations aussi dans un cadre collectif finalement. Alors, je ne sais pas s'il y avait, Adélaïde qui levait la main, je ne sais pas s'il y a toujours une question. Je ne sais pas si vous m'entendez, bonjour. Ouais. Bonjour. Donc, moi je suis infirmière en hébergement à l'Agora à Besançon en fait, donc c'est un milieu, enfin il y a plusieurs dispositifs à l'intérieur et en fait nous on a un addictologue qui vient toutes les semaines et finalement ces créneaux horaires sont
sont toujours pris puisqu'ils viennent nous voir, enfin, les gens viennent nous voir et puis on les redirige finalement vers cet addictologue qui vient une fois par semaine et le fait qu'il ait un endroit pour lui, tout ça. Alors certes, les rendez-vous doivent être pris à l'accueil, donc je trouve que c'est presque ça qui est le plus dérangeant, mais ça se fait très bien et puis c'est quelque chose que les gens du coup connaissent et même finalement les nouveaux qui arrivent, des fois nous disent « j'ai entendu parler que peut-être je peux aller voir quelqu'un ». Et donc, je ne sais pas vous comment vous avez mis ça, enfin comment vous allez mettre ça en place. Vous disiez peut-être qu'il faut un endroit spécifique ou pour que pouvoir en parler. Et puis, je trouve que dans la structure où on est, finalement, ça fonctionne plutôt bien. Même que des fois, ils sont tout nouveaux dans la structure et d'avoir un professionnel de santé qui peut aussi prescrire de la méthadone ou même du texte. Enfin, c'est vraiment agréable d'avoir ça dans notre structure. Voilà. Donc, voilà. Et je sais pas, c'était une. Alors, il y avait Lilian aussi qui voulait rebondir. Moi, j'avais une question juste sur la question de cette présence. Elle est permanente ou c'est par moment? C'est toutes les semaines. C'est quelque chose qui a été mis en place, c'est toutes les semaines. Donc, moi aussi, j'ai une permanence de soins dans cette structure. Et moi, j'interviens, enfin, je suis sur un nouveau dispositif, ça s'appelle les Lial France Santé Mobile. Je ne sais pas du tout si vous en avez entendu parler. Mais ça me permet aussi d'aller sur l'extérieur et d'essayer de raccrocher les gens quand je vais en maraude à la santé. Et le fait d'avoir, oui, cette présence qui est vraiment toutes les semaines, ça c'est vraiment un plié quand même de la structure, hein. Ça aide beaucoup pour en parler. D'accord. Oui, l'histoire peut-être aussi de, je sais pas, je fais des suppositions en partant de ce que vous dites, de peut-être le lien qui se fait, qui se crée. Enfin, on parle souvent d'alliance thérapeutique. Alors, je suppose que la fréquence aussi, ça permet de. Eh ben, en fait, c'est souvent. C'est vrai que on a souvent les mêmes personnes qui reviennent, hein, et qui nous disent au début. Alors, forcément, ils veulent pas trop en dire. Et puis, au fur et à mesure du temps qui passe, on crée un lien. On va parler de tout. Et puis un jour, ils vont nous dire, vous savez, en fait, c'est pas facile. Mais à côté, je consomme. Et puis, alors au début, ils ne vont pas nous dire ce que c'est. Ils vont nous dire, je consomme un petit peu, mais ce n'est pas grand-chose. On essaie de penser peut-être que c'est du cannabis. Puis en fait, finalement, pas forcément. Et puis, en fait, la consommation, ils nous disent que ce n'est pas si souvent. Et en fait, je dirais que ce n'est pas la fréquence, tout ça, qui nous importe en tant que professionnels de santé ou même du social. Moi, personnellement, quand je suis face à eux, je m'en fiche de savoir si c'est quotidien ou pas. C'est de savoir la chose pour pouvoir prendre en charge si les gens veulent arrêter. Et je pense que les gens eux-mêmes se restreignent à vouloir nous dire la vérité, entre guillemets, parce qu'ils ont peur de ce qu'on pense d'eux, quoi. Donc, je pense que oui, il est important de rencontrer les gens très régulièrement, de savoir qu'il y a une présence, que moi, c'est tous les vendredis après-midi qu'ils veulent me rencontrer, que tous les mercredis après-midi, il y a un addictologue qui est présent et qu'en fait, avec cette fréquence, les gens vont pouvoir rentrer dans un processus, dans un cursus de prise en charge. D'accord. Oui, donc il y a l'idée de pérennité / régularité qui fait qui donne de la force quelque part. Moi, je suis persuadée que ça fonctionne aussi grâce à ça, mais c'est mon point de vue personnel. Merci en tout cas. Il y avait Lilian aussi qui voulait rebondir. Je trouve que c'est extrêmement important ce que vient de dire Adélaïde. Alors, je mettrais juste un tout petit bémol sur le fait qu'il ne faut pas que ces consultations ou ces consultations avancées soient uniquement dans le but que la personne arrête, parce que sinon pour un certain nombre ça ne va pas aller, mais c'est juste mais en tout cas c'est super important. C'est pas du tout on est très souvent en train de vouloir que ça s'arrête, mais finalement c'est réduire le risque et puis que ça se passe bien au mieux, quoi. Voilà. Ouais. Et donc voilà, c'est en ça que c'est important, parce que qu'est-ce que ça montre en fait?
ça montre que cette question de réduction des risques liés aux pratiques de consommation, c'est avant tout garantir pour l'usager la sécurisation de ses pratiques. Et que cette sécurisation, elle doit être l'œuvre d'une réflexion collective entre les différents intervenants. Et c'est là où ça fonctionne, parce qu'effectivement, si à un moment donné, l'usager se sent en danger par rapport à ces pratiques-là, non pas tant par rapport à ce qu'il met en œuvre, parce que ça, pour autant, il le sait, mais par rapport au regard des professionnels qui l'accompagnent, quel que soit en fait leur origine, c'est-à-dire du secteur de l'addicto ou de l'hébergement, et bien là, on va assister à quelque chose que décrit très bien Adélaïde, je trouve, c'est qu'on va assister à un discours adapté. C'est-à-dire que la peur de dire la réalité de ses consommations va l'emporter sur le besoin de demander de l'aide. Et donc, on sera plutôt dans un ajustement qui permettra de maintenir la prise en charge. Et en ça, il faut qu'on soit extrêmement prudent, parce qu'on peut le voir aussi par ailleurs dans nos XAPA par moment ou dans d'autres structures. Par exemple, si vous prenez un XAPA qui fait de l'initialisation TSO, et bien bizarrement, si on ne travaille pas cette question avec l'usager, vous avez 100% des usagers qui arrivent et qui vous disent « j'ai besoin d'un TSO parce que je veux arrêter l'héroïne ». Quand on creuse un peu, c'est loin d'être ça. Et ce n'est pas grave, en fait. Mais en fait, il nous donne aussi à entendre ce qu'on a envie d'entendre. Donc, je pense que vraiment, il faut faire attention à ça. La réduction des risques, c'est avant tout la garantie de la sécurisation des consommations de la personne. Donc, sécuriser, ça veut, encore une fois, ça ne veut pas dire tout autoriser. Ça veut dire trouver l'espace, l'outil qui permette le moins de risques possible, à la fois pour la personne, mais à la fois dans une dimension aussi collective. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour... Pardon, Adélaïde. Pour revenir par rapport à ce qu'il disait, c'est vrai que moi, très, très souvent, je rappelle aux gens que je ne fais pas partie de la police et qu'en fait, voilà, moi, je ne vais pas aller dehors dénoncer une pratique. Hein, et je pense que c'est là où on rentre en communication véritablement avec les gens. Donc, il y a l'idée de... Parce que pour revenir aussi à faire le lien, du coup, entre ce que vous disiez, Lilian, Adélaïde, il y a l'idée du lien, du coup, finalement, qui est aussi importante, et de la confiance. Et comment est-ce qu'on fait... Enfin, je ne suis pas, du coup, non plus sur le terrain. J'ai envie de dire, comment est-ce qu'on fait pour construire ce lien? Est-ce qu'il faut, quelque part... Est-ce qu'en général, c'est vous qui lancez le sujet, par exemple? Si on prend un exemple très concret d'une personne. Parce qu'il y a la question du repérage aussi en filigrane pour accompagner les gens et leur proposer. Il faut aussi savoir éventuellement de quoi elles ont besoin et qu'elles osent, comme vous dites, en parler. Alors, est-ce que c'est... Comment est-ce que, au niveau repérage, comment ça se joue? Est-ce que vous... Je sais pas, je posais la question à vous tous. Hein, est-ce que vous allez poser la question? Est-ce que vous attendez? Est-ce que vous semez des petits indices qui laissent penser que vous êtes à l'aise pour en parler, etc.? Alors, nous, sur le CHRS de Belfort, en général, le repérage, il va être quasiment à chaque fois fait au moment des orientations qui sont faites par les dossiers CIAO des partenaires. Ce n'est pas forcément des problématiques qui sont cachées par les gens et cachées par le partenaire. Et c'est quelque chose qui est au cours du premier entretien qui est clairement énoncé sur... alors nous, l'alcool, par exemple, n'est pas interdit puisqu'effectivement, c'est un produit licite, donc on ne peut pas l'interdire. Mais où par contre, on pose la limite du comment est-ce que la consommation, elle se passe s'ils sont en cohabitation et qu'on ne sanctionnera pas la consommation, mais on sanctionnera les comportements inadapté que ça peut engendrer au sein du voisinage, au sein de la cohabitation. Et avec toujours nous notre objectif d'accès au logement autonome, la difficulté que ça peut représenter en termes de budget, que ce soit des consommations licites ou illicites, ou même sans matériel, enfin voilà, c'est plus rare et c'est plus difficile à discuter, mais ça peut être aussi, on a eu aussi des personnes qui étaient addictes au jeu, où effectivement, la limite de notre intervention et de notre, le mot est mal choisi, mais notre tolérance vis-à-vis des consommations, ça va être aussi à un moment donné quel projet la personne est là, elle formule et elle est en capacité de mener. Parce que du coup, notre hébergement, il est quand même conditionné à cette notion de projet et d'avancer. On ne demande pas des avancées formidables, mais en tout cas, il faut toujours y ait quelque chose de positif
à avancer auprès de nos organismes de tutelle pour demander les renouvellements des prises en charge. Et c'est un peu la difficulté que parfois il va se poser quand effectivement c'est quelqu'un qui est encore vraiment dans de la consommation, où le budget ne permet pas de travailler cette question-là et où on sent qu'il n'est pas prêt, ça stagne. Parce que ça fait 6 mois qu'ils sont là, toujours pas de carte d'identité de fait, toujours pas de ressources faites et pourtant tout le reste, ça fonctionne, quoi. Donc c'est des choses dont on n'est pas forcément fermé à discuter, mais voilà, la tolérance, elle va être aussi dans le temps. À un moment donné, il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui se passe. D'accord. Et du coup, alors peut-être pour revenir sur... je ne sais pas, Antoine, Floriane, ceux qui ont aussi réfléchi à ces questions-là, comment est-ce que du coup, il y a la... C'est envisagé, vous, de votre côté, pour que finalement, ce soit peut-être plus un moteur en disant pour favoriser le changement, finalement. Je ne sais pas comment cette question peut être envisagée. Pour finalement avoir le versant plus positif, entre guillemets, que contrainte. Je ne sais pas comment le formuler autrement. Mais en gros, pour qu'on soit dans une dynamique favorable de changement, du point de vue global, insertion, santé, etc., plutôt que de dire votre consommation vous pénalise. Enfin, je ne sais pas comment est-ce que vous portez un discours positif vis-à-vis des personnes qu'on accompagne de ce point de vue-là. Je ne sais pas si... Lilian. Je ne suis pas sûr de vraiment y répondre, Marie, mais il y a quand même une dynamique importante, parce que c'est vrai que cette notion de projet et d'échéance, elle est importante à prendre en considération. Après, ça rejoint quand même la question de tout à l'heure de la sécurisation des consommations. Il n'y a qu'à travers l'interconnaissance des dispositifs, on arrive à créer les conditions favorables à un moment donné à l'expression de l'usager. C'est-à-dire que s'ils sentent que les structures se connaissent, travaillent ensemble, déjà, il y a un accès à la parole et à l'expression des besoins qui sera plus simple. Ça, je pense que c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que effectivement, il y a des expériences, il y a une notion de projet qui d'ailleurs conditionne parfois effectivement la poursuite de la prise en charge, sauf que lorsque du coup cela devient une condition, en tout cas l'arrêt des consommations devient une condition nécessaire, du coup ça ne marche pas mieux de toute façon. Donc lorsqu'on prend le contre-pied, mais en tout cas qu'on fait un pas de côté et qu'on travaille plutôt sur cette question de sécurisation des consommations, on laisse la possibilité de monter étage par étage. Alors c'est effectivement peut-être un petit peu plus compliqué, il faut adapter en permanence, etc., etc. Mais si on ne laisse pas la possibilité à un moment donné à l'usager de passer cette première marche, ce n'est pas la peine de lui demander d'atteindre la 10e. Et de toute façon, ce sera à la fin le même résultat, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas bouger. Et ce n'est pas qu'il ne voudra pas, parce que c'est important, il ne pourra pas bouger. Et cette notion de projet, elle est compliquée. Là, je comprends complètement effectivement les collègues qui travaillent en CHRS, parce que souvent, on a affaire à des personnes qui sont fatiguées, plus âgés, non pas dans leur âge, hein, mais par exemple, on prend une personne qui consomme de l'alcool depuis 15, 20 ans, et avec le retard clinique qu'on a là-dessus, on arrive avec une personne en face de nous qui a 40 ans, mais qui physiquement et mentalement en a 60. Et si on a un degré d'exigence qui correspond à celui d'une personne de 40 ans, on ne va pas y arriver. Donc, encore une fois, je pense que c'est réellement dans l'interconnaissance des dispositifs et aussi dans l'interconnaissance que nous avons les uns et les autres des problématiques que nous rencontrons avec les usagers, que du coup, on crée des conditions nécessaires et possibles à ce qu'émerge une demande qui soit adaptée et adaptable. Voilà. Merci, Lignon. Du coup, on retient aussi l'idée de... Dans ce que vous dites, mais je pense que ça rejoint le principe de réduction des risques, le fait d'avoir à... Alors, c'est pas forcément évident à mettre en œuvre, mais sans doute une réponse très graduelle et très, étape par étape, pour s'adapter au fur et à mesure à la personne. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, d'autres remarques, parce que c'est l'occasion aussi. Je sais pas si... J'avais juste peut-être une dernière question par rapport à ce que vous disiez, Floriane et Antoine, parce que vous parliez à un moment de parler librement entre vous, et notamment des points d'achoppement. Alors, je ne sais pas si vous aviez des idées de difficultés ou même de points, de difficultés dont vous avez pris conscience à l'occasion de ces échanges, et comment est-ce que vous avez pu déverrouiller tout ça?
C'est-à-dire que les premiers temps, on s'est vite rendu compte qu'on était, comme je disais, dans un espèce de groupe d'analyse des pratiques et qu'on essayait de discuter des situations en les mettant sur la table et en disant ce qui nous surprenait chez l'autre. Et ça a été un petit peu au début des freins. Ce que disait Lilian sur l'interconnaissance, c'est ça qui nous a permis vraiment d'avancer un petit peu. C'est ça qui nous a permis de parler du matériel de RDR, de parler de cet esprit basse-œil, de parler de la reconnaissance de l'usager dans sa console. La tolérance dont parlait Adélaïde, moi je trouve que le mot est bien choisi, c'est-à-dire qu'on tolère qu'il en soit là où il en est maintenant parce qu'il a un passif et dans les consoles et dans le côté traumatique un petit peu des événements de son histoire. Donc voilà, tout ça c'est peut-être des choses, on va dire, un point de vue thérapeutique que le CHRS n'avait pas. Et puis nous, bah, effectivement, on se doit de prendre en l'occurrence en considération ça, ce que disait aussi Adélaïde très justement, ou Sandra d'ailleurs, qu'on ne va pas sanctionner ou pousser vers le discours adapté, c'est une question de libre adhésion, que c'est le comportement qui va compter. Et en ça, c'est reconnaître aussi la personne dans ses consoles. Mais le principal point d'achoppement, entre guillemets, comme j'ai dit, je ne sais pas si le mot est là pour le coup adéquat, mais le principal point d'achoppement, c'était ça, c'était de savoir un petit peu comment est-ce qu'on pouvait se projeter dans un projet commun, dans des pratiques communes, plutôt que de chacun travailler l'hébergement un petit peu de façon raide, et puis l'RDR et la thérapeutique d'un autre côté. Le parcours de soins global, de notre point de vue, il inclut l'hébergement. Donc voilà, effectivement... autour de ça, on a pu discuter un petit peu librement et puis sans trop aller dans les achoppements. D'accord. Merci. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres remarques, questions ? Faut pas hésiter, hein, c'est le moment aussi pour poser vos questions. Maud ? Je me demandais... On a quand même pas mal de professionnels là qui représentent les deux secteurs. Enfin, j'ai cru voir que c'était à peu près égal et je trouve ça intéressant. Et dans les pratiques, alors moi je sais que je l'ai fait avec Madame Métro quand j'étais encore assistante sociale sur le terrain. Est-ce qu'il y a des expériences comme ça d'accompagnement de personnes où on voit que ça bloque ? Après, en termes d'orientation, des fois effectivement on se plante parce que avec une méconnaissance du dispositif, peut-être qu'on n'oriente pas sur le bon dispositif aussi. Donc, c'est là l'importance d'avoir cette interconnaissance entre les acteurs et la connaissance des dispositifs. Mais une fois qu'on est dans l'accompagnement, est-ce qu'il y a des expériences sur notre territoire d'accompagnement tripartite, je vais dire, entre... le référent qui accompagne la personne côté XAPA ou CARUD et le référent qui accompagne le projet de la personne qui est hébergée. Est-ce qu'il y a des expériences comme ça de travail tripartite ? Parce qu'on sait aussi que ben, des fois, on peut amener de l'incohérence parce que ben, nous, on va travailler ça et puis l'autre partenaire va travailler ça ou... mais pas spécialement que dans nos secteurs, hein, dans tous les secteurs. Est-ce que là, avec tous les acteurs qui sont présents, il y a des expériences d'accompagnement tripartite avec des points réguliers ? Enfin, je pense que Madame Métro se rappelle de la situation qu'on a accompagnée ensemble. Voilà. Oui, oui. Est-ce que... Moi, j'avais trouvé ça positif. Après, Sandra, je ne sais pas... Si, ça l'était beaucoup et je pense qu'on a perdu le lien entre nos structures. Enfin, je pense. Alors, pourtant, pour autant, maintenant, on est juste à côté, hein, parce que du coup, l'accessibilité pour nos services et nos usagers, on est dans quasiment les mêmes locaux maintenant. Mais effectivement, le lien s'est un peu délité parce qu'on l'a, je pense, pas suffisamment entretenu. Effectivement, on est complètement ouvert à le retisser parce que justement, c'est quelque chose qui manque actuellement. On se retrouve. Alors, on essaie d'y traiter avec nos réponses et notre vision, mais qui n'est pas satisfaisante. Et je pense qu'effectivement, remettre du lien pourrait être très important parce que
voilà, on se retrouve avec des troubles du voisinage parce que une fois installé en hébergement, on se rend compte que nos appartements deviennent des plaques tournantes parce que on retrouve des seringues dans l'accueil de jour et du coup on a mis des boîtes mais personne ne consomme mais les boîtes se remplissent. Enfin, on est sur des réponses partielles parce qu'on ne sait pas, on n'a pas cette expertise-là et cette compétence-là. Et je pense qu'effectivement, le lien, il est à reprendre vraiment parce que quand on le fait, sur les expériences passées qu'on a pu avoir ensemble, mode, effectivement, ça peut marcher. Après, oui, voilà. Après, je pense que l'expertise, de mon point de vue, l'expertise, elle est aux deux niveaux. C'est-à-dire que l'intervenant en addictologie va avoir besoin de l'expertise du travailleur social qui accompagne dans le projet, dans l'hébergement, mais pas que, puisqu'il accompagne un projet beaucoup plus global. Et puis, le professionnel de l'hébergement va avoir besoin peut-être par moment de l'expertise plus addicto. Et ce que j'avais envie de savoir, c'est est-ce que... Alors, cette expérience qui s'est un petit peu délitée, comme tu dis, mais en tout cas, on y avait trouvé une plus-value, nous, en tant que professionnels de terrain, par rapport à cet usager-là. Est-ce que sur notre territoire, il y a des expériences comme ça d'accompagnement tripartite, après ce qui nécessite quand même déjà que l'usager soit d'accord avec ça, et c'est comment on bosse à trois, en fait, en prenant en compte les besoins de l'usager et quel objectif on y met, parce qu'on a tous tendance, quel que soit notre secteur, addicto, hébergement ou autre, on a tous tendance à mettre des objectifs parce qu'on est bienveillant et on sait par où ça passe, nous, et voilà, et en général, on se plante parce qu'on va trop vite. Mais voilà, je voulais juste savoir s'il y avait cette expérience sur le territoire, parce que moi, l'expérience que j'ai eue apportait une réelle plus-value dans la prise en charge de l'usage. Je pense qu'actuellement, il n'y en a plus. On envoie les gens, ils nous disent qu'ils vont, mais on n'a plus de lien avec les services d'addicto pour se réunir autour des personnes, en fait. Avec les personnes, comme on a pu le faire, effectivement. Et à se dire les choses, parce que du coup, on se retrouve un peu dans les interstices du double discours. Mmh. Mais non, ça n'existe plus. Enfin, en tout cas, pour autant que je sache. Mmh. OK. Et sur d'autres territoires, parce que on a Besançon qui est présent, on a le Jura. J'ai pas retenu tous les territoires, mais on avait l'heure Barbier qui avait levé la main aussi. Oui, bonjour. Donc moi je suis coordinatrice du SIAO dans le territoire de Montfort. On avait été approché fin 2020 par Myriam Peter, qui est coordinatrice à Alto. Et ça rejoint donc l'aspect tripartite des choses, mais en amont de l'accompagnement, puisque nous, on intervient en amont que les gens soient orientés donc en CHRS ou dans d'autres structures. Moi, je m'étais rendu compte que les dossiers faits par Alto faisaient bon nombre de reports faute d'éléments suffisants. Les membres de la commission refusaient de statuer et de proposer un dispositif parce qu'ils estimaient que les dossiers manquaient d'éléments. Et donc, avec Myriam, on a… alors, il faut qu'on concrétise tout ça, mais on s'est rencontrés et on a plus ou moins émis l'idée de faire des entretiens tripartites avant le passage en SIAO, parce qu'effectivement, les professionnels d'Alto… ont une vision très, alors c'est pas, je dénigre pas le travail qui est fait par Alto, mais il n'y a pas toujours les bonnes questions qui sont posées pour pouvoir rédiger un rapport social tel que l'attendent les membres de la commission. Je m'explique, à savoir, est-ce que la personne est en capacité d'aller dans du logement? Est-ce qu'elle est en capacité de cohabiter? Est-ce qu'elle est en capacité de se dire oui, c'est important que je paye quelque chose tous les mois? Oui, c'est important que je ne mette pas la musique à 4 heures du matin, etc., etc. S'il y a des enfants à recevoir dans le logement, comment ça se passe, à quelle fréquence, etc. Est-ce qu'il y a déjà des dettes? Si oui, dans le parc public, dans le parc privé. Enfin voilà, est-ce que la personne elle est en capacité de faire une demande de logement social en autonomie ou est-ce qu'elle a besoin d'un professionnel à ses côtés? Et tout ça, c'est des questions, en tout cas dans ce qui m'a été remonté, qui ne sont pas forcément posées. Et donc, avec Myriam, on a
on a émis le projet donc de faire des entretiens tripartites pour arriver en commission avec un dossier un peu plus complet et qui réponde aux exigences, je dirais, presque des membres de la commission pour éviter les reports. Le problème des reports, c'est qu'il y a un report sur deux, on n'entend plus parler des gens. Et nous, on essaye, avec ma collègue Marion-Charlotte Poncet, qui est référente de parcours, de justement, notre objectif en 2021, c'est de ne plus perdre la trace des gens, alors que les dossiers émanent d'Alto ou autre, mais en tout cas, de savoir ce qui se passe derrière quand il y a un report et pourquoi les gens ne repassent pas en commission une deuxième fois. D'accord. Du coup, c'est un bon exemple aussi. Oui. Et puis, on avait représenté aussi les dispositifs quand on s'est rencontrés fin 2020, parce qu'effectivement, il y avait une méconnaissance de tous les dispositifs qu'il était possible de solliciter en commission SIAO et quelle était la différence d'accompagnement. Voilà, quelle est la différence entre l'IML et du CHRS? Quelle est la différence entre l'IML et la résidence sociale? Une pension de famille, c'est quel public? Et puis, savoir aussi qu'il y a des critères de durée. Par exemple, la pension de famille, c'est considéré comme du logement pérenne. La personne, elle peut y rester 10 jours comme elle peut y rester jusqu'à la fin de sa vie si elle le souhaite. La résidence sociale, dans les textes, c'est 2 ans. Et la résidence sociale à Doma, c'est dans ses objectifs. On a déjà commencé à travailler là-dessus, de ne plus laisser les gens justement passer 3, 4, 5, voire beaucoup plus d'années sans projet de sortie de résidence sociale. Et je sais qu'il y a aussi des gens qui sont actuellement locataires au Château d'Eau à Adoma, qui sont locataires depuis beaucoup plus de 2 ans. Donc tout ça, il y a un gros travail à faire aussi avec la connaissance des dispositifs et comment on suit le parcours des gens, si possible en évitant la politique de l'escalier dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est un bon exemple, enfin une bonne illustration aussi des différents points de vue au final, et de chacun qui a ses propres attentes, et comment est-ce qu'on fait en sorte de concilier les deux pour accompagner la personne globalement. Du coup, je sais pas, j'avais une question par rapport à ça. Alors, je n'ai pas une très très bonne connaissance du territoire particulièrement franc-comtois. Alors, je ne sais pas si... Parce que Alto, il me semble que c'est un des acteurs de la dictologie. Et du coup, comme vous avez fait ce travail-là avec Alto plus particulièrement, est-ce que vous allez l'étendre, par exemple, avec d'autres dispositifs avec qui vous travaillez? Enfin, voilà, au niveau d'un peu de la réplication, enfin, d'agrandissement, c'est-à-dire de ne pas travailler avec une seule structure, mais est-ce que vous allez travailler avec de la même manière avec d'autres établissements? Oui, alors vous parlez autre que le soin, enfin vraiment de manière globale? Oui, par exemple, oui, ou d'autres. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres structures de la dictologie. On va essayer aussi de créer des liens avec tous les, enfin, ce qu'on appelle nous les grands marginaux. Donc, contrairement à ce que certains pourraient penser, un grand marginal, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a 60 ans. Ça peut aussi être quelqu'un qui a 25 ans et qui est dans la rue depuis l'âge de 15 ans. On est en cours de recrutement pour un travailleur social qui va faire de l'allée vert au SIAO du territoire de Belfort et qui justement va aller à la rencontre de ces publics qui ne poussent pas la porte des accueils de jour, qui ne composent pas le 115 et qui va... notamment faire des maraudes pédestres pour aller à la rencontre de ces publics-là. Et en fonction de ce que la personne voudra bien confier à ce travailleur social, une fois que le lien de confiance sera créé, justement contacter des associations ou tout type de structure qui pourra répondre à ces difficultés. D'accord. Ok. Alors, j'avais vu aussi, alors il y avait Lilian qui voulait rebondir, et je voyais aussi Nicolas Sarret qui levait la main tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Oui, toujours, mais c'était pour la première question. Je voulais juste faire état qu'il y a d'autres expériences comme ça. Alors, moi, je suis sur Besançon, donc on a des intervenants qui proposent des permanences sur un CHRS à Besançon qui accueille un public féminin.
mais on retrouve effectivement les mêmes problématiques. Tout à l'heure, c'est Antoine donc qui avait parlé de l'étiquetage. Et c'est vrai que c'est quand même une donnée importante, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'intervenants dans les XAPA et malheureusement, dès qu'ils se déplacent sur des commissions, comme le SIAO par exemple, ils sont assez régulièrement et assez systématiquement étiquetés au niveau de leur dossier. Voilà. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel je pense qu'il faut continuer à travailler, effectivement aussi en amont. Par rapport au terrain, les expériences qu'on a tripartites, j'allais dire, elles restent quand même à la marge parce que pour moi, elles ne sont pas complètement institutionnalisées. C'est des situations un petit peu spécifiques qui demandent effectivement une plus grosse coordination entre intervenants et où les consommations peuvent jouer un rôle déterminant. Ça reste encore un peu à la marge, je trouve. Voilà. Mmh. Pour faire état de cette expérience. Ouais, donc l'articulation déjà pour que l'accueil inconditionnel se fasse dès le début au final, parce que c'est aussi là que ça se joue dans l'inclusion dans les établissements, si j'entends ce que vous dites. Et tout ce qui a été dit avant, hein, c'est-à-dire le règlement intérieur, la reconnaissance entre professionnels, ça demande quand même pas mal de temps de concertation. Puis à différents niveaux, hein, je dirais autant au niveau des acteurs de terrain comme Antoine et sa collègue, qu'au niveau des dirigeants d'établissement et puis voire même plus haut. Je pense qu'effectivement, il y a un message qui doit être assez global, quoi, pour que ça puisse être entendu un peu partout. Enfin voilà, oui, c'est un moi. Non, non, mais c'est vrai que le caractère, comme l'avait soulevé Antoine aussi, institutionnel, porté par les directions, voire les conseils d'administration, c'est quelque chose qu'on... Alors, on l'a évoqué, alors, quand on va faire des webinaires au gré des différentes régions, c'est quelque chose qui revient aussi souvent, ce portage institutionnel, enfin, son importance en tout cas, pour qu'au final, les actions s'incarnent. Parce que, bon, il y a évidemment la volonté des professionnels, mais après, pour que aussi que... les projets s'incarnent, et ça rejoint aussi l'idée de pérennité, de régularité qui était soulevée tout à l'heure. Si on veut des projets pérennes, il faut aussi qu'il y ait une volonté institutionnelle pour que ces projets-là soient pérennes. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce... mettre beaucoup de monde au final dans la boucle, direction, travailleurs du terrain, et avec le côté tripartite. Alors il y avait Lilian aussi, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je trouvais intéressant ce que disait Mme Barbier. Question par exemple des équipes de maraude. Je trouve ça génial parce que c'est complètement en fait dans la thématique. Quand on parle des enjeux demain de la coopération, c'est complètement dedans en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce de perméabilité des dispositifs, ou en tout cas des politiques publiques plutôt, qui fait que les uns les autres. On répond à des appels à projets, on se retrouve avec des projets médico-sociaux qui sont portés par le secteur social, des projets sociaux qui sont portés par les équipes médico-sociales, et que si on ne fait pas attention, eh ben, on va se retrouver dans des logiques assez rapidement qui seraient des logiques concurrentielles. Le public moins de 25 ans, par exemple, est en errance, les Carudes montent des dispositifs tapage, pas partout, hein, bien sûr, mais il y a des villes où ça existe, c'est le cas d'ailleurs de nos collègues d'Alto, le relais qui déploie ce dispositif. Les maraudes, ça fait partie complètement des missions depuis 2004, depuis l'origine des Carudes, d'aller vers, etc. etc. Et si on prend certains territoires, par exemple, on se rend compte qu'il peut y avoir assez facilement ou assez rapidement 3 ou 4 dispositifs qui se font ces maraudes. Donc, vous imaginez, pour quelqu'un qui est en rue, avec une logique d'errance, il va rencontrer dans la semaine 3 ou 4 dispositifs différents. Alors, soit ces dispositifs se concertent et ça devient complémentaire, soit effectivement ils s'ignorent prudemment et du coup ça ne produit rien parce que du coup on se retrouve avec un déploiement de moyens et d'investissements qui reste limité puisqu'on finalement on fait tous la même chose mais pas vraiment sans se le dire. Et je trouvais ça super intéressant parce qu'on peut observer sur certains territoires, je ne dis pas que c'est le cas du Nord-Franche-Comté parce que je ne connais pas comment les choses sont structurées, mais sur certains territoires effectivement une espèce de perméabilité des politiques publiques qui fait qu'on ne sait plus très bien qui fait quoi, comment, et que du coup, au final, il y a une débauche de moyens et peu de résultats.
merci Lilian. Ouais, du coup, un vrai enjeu autour de travailler ensemble le plus possible et de s'identifier aussi dès le départ. Alors, je vois Adélaïde aussi qui... Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis infirmière sur les liens à la soins santé mobile et donc ça fait partie de mes missions d'aller en maraude. Et en effet, je n'étais pas la première à partir en maraude, hein, c'est quelque chose qui existait déjà à Besançon. Et en fait, il suffisait de se mettre en lien et avec ceux qui faisaient les maraudes, donc en fait le SAS, hein, qui fait partie du CCAS comme moi. Et puis aussi l'équipe mobile de prévention précarité qui est rattachée à Nobilard, donc l'hôpital psychiatrique. Et en fait, on est vraiment complémentaires et on essaie vraiment de travailler ensemble, justement parce qu'eux, ils sont du coup plus sur l'aspect psychiatrique puisqu'ils sont rattachés à cet hôpital. Tandis que moi et puis la veille mobile, on se charge plutôt de l'aspect somatique, mais aussi du coup de tout ce qui est addiction. Et parfois, mine de rien, il y a des gens qui connaissent plutôt le MPP, donc l'équipe de Nobilard, et puis qui ont plus envie d'aller, qui vont plus se confier à tel professionnel plutôt qu'à moi. Et puis, ça ne va pas être forcément le cas pour d'autres personnes. Mais en fait, le fait qu'on soit en lien, je pense qu'il faut vraiment se parler et se rencontrer régulièrement pour savoir qui fait quoi et puis à quelle fréquence aussi toujours pour justement que ça fonctionne en effet comme le disait je ne sais plus trop le prénom, je suis désolée je pense qu'en tout cas la communication est vraiment importante et que de toute façon on fait des métiers qui sont dans le sanitaire certes mais le social particulièrement et que s'il n'y a pas de discussion on peut pas les gens de toute façon ne feront pas confiance ou alors nous diront certaines choses mais pas tout et puis ça ne fonctionnera pas. Donc il y a vraiment l'aspect communication là qui est primordial quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que sur les liens sans santé mobile on va vraiment à la rencontre des gens et il y a vraiment il faut avec tous les partenaires qui sont sur le secteur essayer de discuter pour que les gens aussi s'y retrouvent quoi. Et du coup, est-ce qu'il y en a qui ont des exemples aussi de temps d'échange ancré entre structures, entre établissements? Parce qu'il y avait ce côté, on parle dans la théorie de se connaître, d'échanger, etc. Alors, est-ce qu'il y a des exemples de temps d'échange qui sont balisés, qui sont... Je ne sais pas s'il y a des structures. Je sais que dans d'autres régions où il y a des établissements, des binômes qui ont prévu des temps, je ne sais plus quel nom ils donnent à ces commissions, mais interpartenariales, par exemple, il y en a qui le font au trimestre. Des temps d'échange qui sont balisés, prévus entre partenaires. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des exemples sur leur territoire. Alors, Laure, je crois que... Quand vous dites des échanges, c'est sur des situations particulières ou c'est sur des informations purement générales de fonctionnement de structure, de création de structure ou c'est vraiment on cible des personnes qu'on pourrait appeler des cas complexes par exemple? Ça peut être les deux, je suppose. Enfin, je ne sais pas ce qui se... D'accord. Mais les deux me semblent intéressants. Alors, nous, on va... mettre en place avec le soutien de la Fédération des acteurs de la solidarité, puisqu'on est il y a un accompagnement des CAO jusqu'au 31 décembre, puisque pour une meilleure coordination de la veille sociale, puisque la coordination de la veille sociale appartient aux CAO et jusqu'à maintenant à Belfort, elle était très peu développée. On va mettre en place, on ne connaît pas encore la fréquence, on va réunir un groupe de travail pour voir ce qu'on met dedans et à quelle fréquence on se réunit. Justement pour mettre en place une commission veille sociale en plus des commissions où vraiment on traite de situations nominatives, en fait. J'avais fait une liste un peu comme ça, un peu façon de cours de ce qu'on pourrait mettre dedans avec mon directeur. Donc, on avait parlé d'informations juridiques, de création de nouvelles structures,
et justement d'étudier aussi des situations complexes des gens qui sont dans le circuit depuis un an, deux ans, voire plus, et pour lesquels on n'arrive pas à avoir de levier, on n'arrive pas à, comme disait Madame Métro tout à l'heure, quelqu'un, ça fait un an et demi qu'on essaye de travailler la carte d'identité, et puis on ne sait pas ce qui se passe, mais cette carte d'identité, c'est compliqué pour l'avoir. Au moment où on pense que ça aboutit, finalement, il y a un grain de sable qui vient tout dérégler. Et nous, on va mettre en place, en tout cas, cette commission veille sociale. Et il y a un groupe de travail qui va se réunir sur notre département prochainement pour voir ce qu'on met dedans et à quelle fréquence on se réunit. On a fait une visio début juin avec la plupart des acteurs, hébergement, logement, conseil départemental, FSL, association distribuant de l'aide alimentaire, etc. Et il y a vraiment une envie des gens de travailler ensemble et surtout de se connaître. Il y a certaines structures qui ne connaissaient même pas l'existence d'autres. La crise sanitaire n'a pas, arrangé. Il y a des liens qui avaient été pris fin 2019, début 2020 et tout a été retardé. Donc, je pense qu'on va pouvoir construire quelque chose, une instance assez intéressante. D'accord. Par exemple, dans le 21, le SIAO, donc à ses commissions, coordination de la veille sociale, mais il a mis en place aussi des commissions thématiques, dont notamment une commission thématique sur les addictions qui est copilotée par le SIAO et une association d'e-jeunesse spécialisée sur... plutôt autour des addictions. Donc, il y a ce travail aussi qui se fait dans ce cadre-là, donc avec l'objectif, effectivement, de mieux se connaître, savoir qui fait quoi, quelles sont leurs modalités de travail aux uns et aux autres et de proposer des solutions adaptées pour une meilleure prise en charge du public. Donc, ça, c'est quelque chose qui se met en place, mais effectivement, ce qui ressort, c'est la première nécessité, c'est la meilleure connaissance en fait des secteurs. Donc, des fois, le fait de se rencontrer, de se mettre tous autour de la table, de savoir un peu mieux qui fait quoi, ça débloque des fois tout simplement les choses. C'est plus simple de passer un coup de fil, d'envoyer un mail à quelqu'un qu'on connaît, plutôt que de se retrouver seul face à une situation. Donc, c'est vrai que dans le cadre du plan d'accompagnement sur la mission de la coordination de la veille sociale, ce travail avait commencé un petit peu parce que, bien entendu, il y avait tous les acteurs classiques de la veille sociale qui avaient été invités pour faire un état des lieux des pratiques sur les départements. Mais on avait souhaité aussi élargir à d'autres acteurs et notamment aux acteurs du champ de la santé. Pour mieux se connaître et puis pour répondre aux besoins, notamment sur les thématiques addiction et santé mentale, avec parfois des guides qui vont être mis en place sur l'ensemble des dispositifs. D'accord. Merci. On entend aussi, vos interventions sont intervenantes aussi pour votre question au début, Laure, sur est-ce que ça concerne les situations ou est-ce que c'est le fonctionnement plus général. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que l'interconnaissance, le fait de travailler ensemble, il y a plein d'échelons au final qui sont concernés. Le très global à l'échelle d'un territoire, ce qu'on essaie de faire un peu aujourd'hui aussi, c'est le fait de se connaître et d'échanger dans un premier temps. Et après, le côté de travail sur la structure, l'environnement collectif. Et après, au-delà de ça, encore les relations interpersonnelles. C'est vrai que tout est un peu imbriqué. Et on ne pourra pas, quelque part, sécuriser les situations très personnelles sans avoir travaillé aussi sur la dimension plus collective avant. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir ça dans vos différentes présentations, les imbrications entre les différents échelons, au final. Avec la nécessité, quand même, je crois que quelqu'un l'a évoqué à un moment donné, c'est de... conventionner ou du moins un peu institutionnaliser les partenariats, parce que souvent ça débute de bonne volonté, de gens qui se connaissent ou qui ont déjà eu l'occasion de travailler ensemble ou autre, mais à un moment donné il faut aussi sécuriser de façon à ce que au-delà des personnes, des bonnes volontés, ce soit vraiment un engagement des institutions derrière et pas que uniquement des personnes. Donc c'est bien aussi de pouvoir contractualiser ou autre les partenariats, et c'est ce qu'on disait dans le cadre ne serait-ce que d'une commission thématique, enfin, le fait qu'il y ait un ordre du jour, qu'on sache qui on invite derrière, qui sont les membres, je dirais, spécifiques de telle et telle commission, qu'il y ait des chartes aussi
de confidentialité, parce qu'on a aussi cette difficulté avec le secret professionnel auquel, voilà, qui parfois ne facilite pas les choses, et voilà, donc se mettre d'accord sur des chartes de confidentialité pour voilà, dire ce qu'il y a à dire sans forcément qu'on soit sur trop du médical, enfin voilà, trouver le juste équilibre aussi dans l'échange d'informations qu'on peut se donner les uns et les autres pour pouvoir travailler ensemble sans forcément poser des diagnostics ou autres. Ouais, donc quelque part, pas ritualiser, mais institutionnaliser du moins un peu les différents aspects. C'est vrai que du coup, je vous entendais, alors au mot des, pardon, j'ai oublié votre prénom, mais vous parlez de la coopération qui peut s'effilocher, parce que c'est vrai que ça fait partie en plus avec la crise sanitaire. Je pense qu'il y a eu soit des démarrages, mais aussi peut-être des ralentissements de coopération, parce que c'est vrai que les faire exister dans le temps, c'est aussi un défi en soi. Et c'est vrai que du coup, c'est intéressant d'avoir aussi cette idée d'institutionnalisation qui permet de porter la coopération, et notamment dans le temps au final. Alors Maud, je vois que vous vouliez rebondir aussi. Oui, je voulais rebondir. Après, je voulais amener juste un petit éclairage par rapport à la coopération. J'ai eu la chance d'assister à une conférence il y a 2 ans, je crois, de Guy Le Botter, justement sur les relations durables de coopération. En fait, alors, je me rappelle plus de tous les tenants et aboutissants, mais j'ai retenu 3 choses. C'est qu'il y avait le vouloir coopérer qui était important, c'est-à-dire la motivation à travailler ce projet commun. Et effectivement, on sent bien que, quel que soit le secteur, il y a des besoins et les acteurs ont envie de faire quelque chose. Donc, c'est la motivation aussi, le savoir coopérer. Donc là, c'est plutôt la compétence et comment on fait compétence collective, puisque on a des acteurs de 2 secteurs différents, mais qui ont des compétences, et on a besoin de les mettre ensemble pour que ça devienne de la compétence collective au service des besoins de l'usager. Et puis, le troisième, et c'est peut-être celui qui peut manquer parfois, c'est le pouvoir de coopérer. Et quel moyen on se donne, en fait. J'entends quel élément de cadre, le positionnement, parce que nos acteurs de terrain, ouais, ils sont motivés, ils sont dedans. Quel positionnement aussi institutionnel. Il faut aussi leur donner les moyens de pouvoir mettre en œuvre. Donc voilà, j'avais trouvé ces 3 volets qui se cumulent, en fait. Alors, avec peut-être des phases, des fois on est un peu plus dans le savoir que dans le pouvoir, mais avec cet équilibre qui est, je pense, nécessaire et indispensable pour avancer. Parce que sinon, on voit des situations, comme là, on en a échangé avec Sandra, ça tient à des questions de personnes, et puis on n'est pas dans quelque chose de durable, parce que, je n'ai pas spécialement l'explication, mais dans la mesure où on ne s'est pas inscrit, voilà, on voit que ça s'effiloche, et puis on est tous aussi bien débordés, et du coup, on a tendance aussi à s'auto-centrer à nouveau sur nos établissements. Et c'est comment on reste dans cette ouverture-là. Ouais, merci, Maud. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres... Alors, ça peut être... Bon, je disais questions, mais ça peut aussi être des compléments sur besoins, actions. Pas forcément. Parce que sinon, on a fait un tour. Hein. Alors, je sais... Intéressant, il y a plein de choses qui sont soulevées tout au long, je trouve, de vos interventions sur l'interconnaissance, et ce, le plus tôt possible, au final. Le fait de garantir un cadre sécurisant à la fois pour les personnes et pour le collectif, et qui permette aussi aux personnes, au-delà de juste leur consommation, de pouvoir aussi s'exprimer sur leur consommation, voilà, qu'il soit sécurisant quelque part dès le début. Et voilà, il y avait la question de l'institutionnalisation qui sont revenues pas mal de fois pour pouvoir ancrer vraiment de manière dynamique la coopération, notamment sur le long terme. Et on a aussi beaucoup parlé de l'aspect tripartite avec la personne qui est au cœur quelque part de la coopération, avec aussi les différents leviers de la coopération. Donc c'est vrai que ça donne plein de pistes. Alors peut-être pour
Alors pour conclure, entre guillemets, mais on va peut-être vous représenter rapidement, très rapidement, les différents outils, parce que voilà, comme on disait en introduction, donc il y a ce que vous faites aussi et qu'on essaie d'accompagner au mieux via nos deux réseaux, Fédération des acteurs de la solidarité et Fédération Addiction. Donc il y a eu pas mal de projets, plusieurs projets qui ont été menés. Et puis il y en a d'autres qui sont aussi à venir, évidemment. Il y a aussi le collectif, je cite nos deux réseaux, mais il n'y a pas que nous qui travaillons sur ces questions-là, parce qu'il y avait aussi le collectif, par exemple Modus Vivendi, qui travaille particulièrement sur les consommations d'alcool, parce qu'il y a Lilian Babé qui en fait partie, qui est là aujourd'hui. Du coup, c'était juste pour vous peut-être représenter rapidement les différents outils qui existent. Hop. Alors, on vous les présente rapidement et pour vous dire, à la fin du webinaire, on vous enverra une petite fiche récapitulative avec tous les liens. Voilà, parce qu'il y a pas mal de choses qui existent quand même au fur et à mesure. L'idée, c'est qu'on puisse aussi, on va compléter hein, via ce projet, l'idée, c'est aussi qu'on puisse compléter selon les besoins qui ont été identifiés et puis qu'on voit aussi là où il y a des petits trous qu'on pourra aussi réajuster selon les différents projets. Mais pour vous présenter déjà ce qui existe actuellement, donc il y a la cartographie. On parle beaucoup d'interconnaissance et de repérage, donc l'idée c'était aussi de faciliter ça via cette cartographie. Donc si vous n'y avez toujours pas, donc elle est accessible, donc bien sûr on vous renverra le lien. Et si vous voulez y contribuer, on a laissé ouvert le formulaire, parce qu'en plus avec les webinaires, il y a des personnes qui continuent de l'alimenter. Donc, c'est toujours possible de référencer sa structure. Et donc, voilà, bon, là, j'ai pas mis les détails de la légende, mais le code couleur permet de repérer les structures de l'addictologie et de l'accueil, hébergement, insertion. Et vous pouvez voir, par exemple, celles qui sont plus engagées dans un partenariat. L'idée, c'était aussi de permettre, faciliter l'identification d'actions. Parce que c'est vrai que l'échange de pratiques, c'est toujours intéressant de voir ce que font les autres. Éventuellement, leur passer un coup de fil pour savoir comment ils ont mis en place leur action. Donc, c'était aussi l'objectif. Et puis, dans d'autres couleurs, il y a aussi des structures qui ne sont pas forcément engagées dans une coopération, mais qui souhaiteraient éventuellement le faire. On voulait aussi vous reparler du guide Addiction et lutte contre les exclusions Travail Ensemble, alors qu'il n'existe plus, malheureusement, en version papier, parce qu'il date de 2015. Mais on aime bien le représenter, parce qu'il est quand même... Alors moi, je le trouve très bien fait. Je m'y réfère très souvent. Il est vraiment très complet. Alors, vous y retrouverez notamment la présentation des deux secteurs. Alors, il y a peut-être des évolutions depuis, parce qu'il date de 6 ans, mais globalement, il y a quand même une bonne présentation des deux secteurs. Et après, il y a vraiment différents... un panorama des freins et des leviers à la coopération. Et il est assez complet de ce point de vue-là. Et donc, vous aurez le lien, il est toujours disponible en ligne. Voilà, donc c'est un bon outil de référence. C'est le premier qu'on a coédité. Et il jette les bases quelque part. Donc, après, tout ce qui vient essaie de s'inclure par rapport à... C'est le socle, quelque part. Et après, on vous mettra aussi à des différentes choses qui avaient été faites, puisqu'il y avait eu des vidéos qui avaient été faites pendant le confinement. Et l'idée, c'était de répondre de manière très pratico-pratique aux questions qui pouvaient émerger concernant la prise en compte des consommations. Donc, pendant le confinement, mais après le confinement, c'était aussi parce que voilà, c'était l'actualité du moment. Il y a beaucoup de questions qui, je pense, restent finalement d'actualité sur la question de gestion des consommations. Par exemple, bon, il y avait l'alcool qui avait beaucoup été évoqué. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les consommations d'alcool, etc., au jour le jour par rapport aux difficultés qui peuvent être rencontrées. Et donc, il y avait aussi du coup le collectif Modus Vivendi qui avait fait toute une fiche récapitulative de ce qui peut être mis en place aussi par rapport aux consommations d'alcool. Donc voilà, dans la fiche qu'on vous enverra, il y a d'autres outils, mais c'est bon, c'est les principaux qu'on voulait vous représenter aujourd'hui. Voilà, donc merci à vous tous pour vos participations et vos riches apports. Donc le webinaire, ça a été enregistré. Alors, bien sûr, comme je disais, pour la diffusion, donc ce ne sera pas forcément diffusé d'un bloc. Sur Internet, on verra nous comment est-ce qu'on coupe peut-être, on sélectionnera peut-être certains passages, etc. Mais du coup, si vous ne souhaitez pas que votre intervention soit diffusée, vous pouvez me le redire. Je vous renverrai un mail, je vous donnerai la possibilité de le faire, ou même vous m'envoyez un mail, je la prendrai en compte. Et on vous renverra du coup une fiche récapitulative des outils qui existent. La cartographie, c'est toujours possible d'y contribuer. Et pour la suite du projet, normalement, il y aura aussi certains, voilà, il y a des vidéos qui sont prévues, etc. Alors Lilian, je crois que vous vouliez dire à moi aussi. Oui, juste par rapport au collectif Modus Vivendi,
parce que ça rejoint aussi un peu finalement nos échanges tout au long de ce webinaire. Par exemple, le collectif Modus Vivendi, c'est un exemple de coopération, puisqu'au sein du collectif, qui par ailleurs n'a pas de structuration juridique propre, hein, si ce n'est celui de se regrouper en tant que professionnel, mais du coup sur l'ensemble du territoire, intéressé par cette question de déploiement de la réduction des risques alcool, au sein du collectif, il y a des juristes, il y a des médecins de ville, il y a des intervenants en XAPA, en CARUD, des sociologues, et il y a également des directeurs ou des professionnels qui interviennent en CHRS et qui ont par ailleurs développé une expertise autour de cette question de réduction des risques alcool. Voilà, c'est un exemple de coopération, et en tout cas, les outils auxquels tu fais référence, Marie, pendant la crise Covid, là, c'est clairement du coup une coproduction à partir de différentes expériences et d'expériences croisées. Donc voilà, on est complètement dans cet esprit de coopération, en tout cas. Ouais. Oui, bah souvent les outils, alors il y en a un autre qu'on mettra aussi, il y a tout un guide qui a été fait autour de la réduction des risques aussi, alcool en hébergement, par la mission métropolitaine des connaissances des risques. Alors c'est une structure qui est basée du coup à Paris, mais qui est, bon, ça, c'est sans frontières a priori. Et du coup, notamment sur tout ce qui est législation, il y a pas mal de pistes qui est données dans ce guide-là, donc vous l'aurez aussi dans la fiche qu'on vous renverra. Bah merci beaucoup à vous tous. Alors je vous mets le petit lien d'un questionnaire dans le chat. N'hésitez pas à répondre parce que c'est important pour nous, notamment parce que vous êtes les premiers avec qui on fait ce webinaire-là. Donc c'est important qu'on puisse avoir vos avis positifs ou négatifs pour que ça puisse nous permettre d'ajuster pour les prochains, puisqu'on a quand même on en a pas mal de prévus à la suite selon les différentes régions. Donc c'est toujours intéressant d'avoir vos retours pour qu'on puisse ajuster pour les suivants. Donc voilà, je vous mets le lien là, ça prend 2 minutes, il n'y a pas beaucoup de questions. Mais merci beaucoup à tous, et puis on espère que ça vous aura apporté quelques éléments. Et voilà, on vous renvoie la fiche des outils, et bien sûr, il y aura aussi des choses à suivre hein, dans la suite du projet. Normalement, il y aura des outils qui seront prévus, on ne sait pas encore lesquels, parce que ça va dépendre bien sûr des retours des uns et des autres. Et puis dans la suite, il y a aussi j'en profite pour vous dire aussi qu'on prévoit, il y a le guide, il y a tous les outils autour du projet Tabac et Précarité qui vont sortir normalement la semaine prochaine. Voilà, c'est un projet de coopération qu'on a entre nos deux fédérations. Et l'idée, c'était aussi de faciliter l'accompagnement de la consommation de tabac chez les personnes accueillies dans les structures de l'accueil, hébergement, insertion. Donc voilà, il y aura aussi ces outils-là qui seront... qui vont paraître la semaine prochaine, si tout va bien. Voilà. Mais merci encore à vous tous. Et puis, à très bientôt, j'espère aussi. Merci. Merci. Au revoir. À vous. Au revoir. Au revoir.